construction des locaux. Nos remerciements s'adressent également à la fine Greco SA qui a fait de son mieux pour rendre cet espace attrayant en si peu de temps. Que Dieu bénisse BNC, son personnel et toute sa clientèle. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Merci. Et maintenant, j'ai l'honneur de céder la place à M. Guimary Cazeneuve, vice-président du conseil d'administration, pour son allocution de circonstance. M. Cazeneuve. Excellence, Monsieur Jovenel Moïse, Président de la République, Madame la Première Dame Martine Moïse, Monsieur Jean-Henri Séan, Premier ministre, Mesdames, Messieurs les membres du cabinet ministériel, honorables parlementaires, Monsieur le maire de la ville de Bel-Ader, Excellence Monseigneur Jean Désinor, Révérend Père Wilcoxon Saint-Ville, et amis de la presse, chers clients de la BNC, chers collègues du conseil d'administration, mesdames, messieurs, le conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, dont je suis le vice-président, se sent honoré et fier de pouvoir vous accueillir et vous souhaiter la plus cordiale bienvenue à la cérémonie inaugurale de la 39e succursale de la BNC ici à Bel-Ader. Comme vous le savez, la cérémonie du jour coïncide avec une date historique et glorieuse, marquant la commémoration du 70e anniversaire de fondation de la ville de Bel-Ader par feu le président Léon Dumarsais, estimé en octobre 1948. L'implantation de cette succursale de la BNC à Bel-Ader s'inscrit dans le cadre du projet de reconstruction de la ville par le président de la République, Son Excellence Jovenel Moïse. Projet qui rejoint le plan stratégique 2018-2022 du conseil d'administration de la BNC, dont l'un des grands axes consiste à renforcer la présence de notre institution bancaire sur les territoires nationaux dans le but d'être plus proche de la population, surtout celle située dans les zones les plus éloignées. Ce pour faciliter l'inclusion financière prônée par le régulateur, la Banque de la République d'Haïti. En effet, la présence de la BNC à Bel-Ader témoigne de la volonté du conseil d'administration de soutenir l'inclusion financière, de se rapprocher de plus en plus de sa clientèle,
et de continuer à garantir, dans un secteur très dynamique et concurrentiel, la stabilité et la pérennité de la BNC, qui a plus de 100 ans d'expérience et qui comptera bientôt 40 ans d'existence sous l'appellation Banque Nationale de Crédit, BNC, depuis sa séparation de la Banque Nationale de la République d'Haïti, la BNRH, le 17 août 1979. Ce soutien à l'inclusion financière, ainsi que la diversification des produits et services pour répondre aux multiples besoins des clients, nécessite des investissements importants, surtout dans le domaine technologique. Cette succursale est dotée d'un système informatique robuste garantissant la sécurité des transactions. C'est un système qui est utilisé dans plus de 40 pays à travers le monde, dont les États-Unis et le Canada. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, en inaugurant cette succursale, la BNC vous apporte tous les produits et services bancaires classiques qui sont offerts dans toutes les autres succursales de la BNC. En plus, vous aurez le privilège de bénéficier d'une panoplie d'autres produits et services spécifiques, comme l'a signalé le directeur de la succursale dans son propos de circonstance. Chers clients, population de Bel-Adère et des communautés avoisinantes, pour gérer cette succursale et vous offrir des services de qualité, le conseil d'administration a fait choix d'une équipe composée de jeunes professionnels dynamiques et expérimentés qui vous accueillera avec courtoisie dans un environnement attrayant, sécuritaire et en toute confidentialité. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames, Messieurs, soyez assurés que la BNC, en tant qu'institution commerciale et financière dont l'État haïtien est l'unique propriétaire, compte aussi participer au développement économique de la zone de Bel-Adère avec les ressources collectées, en octroyant du crédit sain, adéquatement garanti aux entrepreneurs et ou investisseurs présentant des projets bancables. Enfin, nous ne saurions terminer nos propos de circonstance sans adresser nos remerciements à nos clients en particulier, car ils représentent la pierre angulaire du succès de la BNC. Un remerciement spécial à la firme Greco pour son dévouement dans l'accomplissement des travaux de ce noble projet qui aboutit à la cérémonie du jour. À son Excellence, Monseigneur Jean Désinor, qui a répondu à notre sollicitation pour répandre la bénédiction de Dieu sur les locaux. Un grand merci à nos équipes techniques, administratives, commerciales et opérationnelles de la BNC qui se sont sacrifiées pour rendre possible l'ouverture de la succursale aujourd'hui. À vous, Excellences, Monsieur le Président de la République, Madame la Première Dame, Monsieur le Premier Ministre, distingués invités, un merci spécial. Car votre présence parmi nous a permis de rehausser l'éclat de cette solennité. BNC, l'expérience au service de toutes les générations. Merci. Et pour mettre...
fini. Et pour finir, le conseil d'administration a prévu un vin d'honneur en cette circonstance. Merci. Je suis là, je suis là, je suis là.